Atelier Ici Faut Suivre. Entre les studios, la Sonothèque Normandie et la fabrication ne s'arrête pas là. Elle est aussi et surtout connue pour les concerts qu'elle organise. En effet, chaque mois, l'association propose un concert aux esthétiques variées, rap, rock, reggae, électro, jazz, tout y passe, avec une programmation pour les tout-petits comme pour les plus grands. C'est Nora qui s'occupe de toute l'organisation en amont de ces événements. Elle coordonne la soirée dans sa globalité. Tout un volet important de la fabrication, c'est du coup l'organisation de nos concerts. Notre programmation est essentiellement régionale, composée d'artistes amateurs confirmés ou de semi-pro. On s'occupe aussi de toute la communication en amont, c'est-à-dire qu'on passe par un graphiste, on fait aussi toute une campagne d'affichage, création d'événements Facebook, on est présent sur Instagram et à peu près sur tous les réseaux. Lors de nos concerts, on s'occupe essentiellement de l'accueil du public, on tient une petite buvette qui sert à financer nos projets à venir. On accueille aussi les artistes surtout et on fait toute une installation technique, donc soit dans la salle Maupassant, soit l'espace Chantal Tiburce. On programme également des concerts en extérieur, Fabrique vous invite, on est aussi présent sur la fête de l'Esplanade ou encore la fête de la musique. L'activité de concert est aussi en complémentarité avec celle des studios. C'est-à-dire qu'on offre aux groupes résidents de nos studios et qui répètent régulièrement de pouvoir jouer sur scène dans des conditions réelles de live. Bon, en vrai, les concerts, c'est pas que moi. On est quand même nombreux sur l'organisation. Il y a toute l'équipe de la fabrication qui travaille sur cette programmation et on a également plein de petites mains pour nous aider. Je vais aller faire de l'affichage, que ce soit sous un beau soleil ou sous la pluie. Voilà, vous savez presque tout sur la fabrication maintenant. Mais si vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à vous rendre aux prochains événements. Non, c'est pas ça, j'ai pas mis les mots dans le bon sens.